Alors, en 2022, on dénombre sur le territoire français 244 000 victimes de violences, dont 87% de femmes et 122 féminicides, et c'est une hausse de 20%. Face à ce constat, et pour mettre à l'abri les victimes de violences et leur permettre de quitter le foyer, le Parlement a voté une loi en février dernier avec la mise en place d'une prestation qui se nomme l'aide aux victimes de violences conjugales, appelée aussi AVVC. L'aide aux victimes des violences conjugales est une prestation qui a été mise en place le 28 novembre 2023. Alors, l'AVVC, c'est pour les personnes victimes de violences commises par un conjoint, un partenaire de PACS, actuel ou passé. Elle est également ouverte aux personnes non allocataires et allocataires, avec ou sans enfants à charge. Le montant de cette prestation varie entre 243 euros et 1337 euros en fonction de votre situation, du nombre d'enfants à charge et de vos ressources. Il faut savoir que c'est une aide qui peut être remboursable ou non remboursable. Alors la prestation, elle est versée relativement rapidement, elle est versée entre 3 et 5 jours, que vous soyez allocataire ou non allocataire. Alors attention, ce délai ne prend pas en compte les délais bancaires, c'est vraiment le délai de traitement à la CAF de l'Essonne. Ça peut prendre du coup 2-3 jours de plus avec délai bancaire. La première, c'est d'aller directement sur le caf.fr. Vous pourrez faire vos démarches en ligne, que vous ayez ou non un compte allocataire. Vous pouvez également faire une demande papier directement dans votre espace CAF de votre département. À réception de votre demande, une équipe dédiée la prendra en charge pour la traiter de manière sécurisée et confidentielle. Pour contacter votre CAF, vous avez plusieurs possibilités. Joindre nos conseillers directement via les plateformes téléphoniques ou vous rendre sur lecaf.fr.